Quels sont les 4 premiers accords à apprendre à la guitare? Eh bien, dans cette vidéo, je vous les montre. C'est parti. Le premier accord que j'utilise dans ma méthode pour apprendre la guitare, c'est le Mi mineur qui se joue comme ceci. Donc on va mettre un doigt dans la deuxième case de la deuxième corde en partant du haut, ici, et l'autre doigt dans la corde en dessous, même case. Donc deux doigts dans la deuxième case, deuxième corde et troisième corde. Et on joue avec le pouce toutes les cordes. Comment se note cet accord? Il se note comme ça, c'est le Mi mineur. Voilà, premier doigt, deuxième doigt pour pouce, 1, 2, 3, 4. Premier, deuxième, la grosse corde est ici. Et on va vers la petite ici. Et on écrit cet accord E, M, le Mi mineur. Et le deuxième accord que je donne dans la méthode, c'est le La mineur, comme ceci. Donc le premier doigt, première case, deuxième corde en partant du bas, ici. Ensuite, je saute une corde, donc pas la deuxième, mais la troisième. Voilà. Ici, on va faire comme ceci. 1, 2, 3, 4. Deuxième doigt, ici, deuxième case, quatrième corde en partant du bas. Et ensuite, je viens poser le troisième sur la troisième corde, 2, 3, deuxième case, ici. Comment ça se note? Pour que vous visualisiez bien tout ça, c'est comme ceci. Petite corde ici, grosse corde ici. Et on écrit AM pour la mineure, avec le numéro des doigts. Donc le diagramme, c'est comme si la guitare était dans ce sens-là, avec la tête ici. On dessine les cases et les cordes. Normalement, c'est assez facile à comprendre. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions là-dessus, dans les commentaires. Troisième accord, je fais le Do. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un doigt à bouger à partir du deuxième. Donc, je suis sur le La mineur, AM, et je vais bouger seulement mon troisième doigt, 1, 2, 3, ici, dans la troisième case de la deuxième corde en partant du haut. Je vais avoir l'accord de C pour Do, Do majeur, qui s'écrit comme ceci. Et le dernier, le Ré, qui ressemble à un triangle dessiné sur son diagramme, comme ceci. La petite corde est ici, 1, 2, 3, les doigts. Donc je mets le deuxième doigt ici, première corde, deuxième case. Je saute une corde, donc troisième, 1, 2, 3, deuxième case. Et le troisième, 1, deuxième corde, troisième case, 1, 2, troisième case. Je vous le remonte. Et je vous les mets en screen à la fin de la vidéo. Voilà les 4 accords par lesquels je commence à apprendre, enfin la méthode d'apprentissage pour mes élèves. Mi mineur, La mineur, on bouge un doigt, Do et Ré. Et on les joue d'abord une fois chacun. Une fois qu'on est à l'aise, on les joue deux fois. Une fois qu'on est à l'aise avec ça, on les joue quatre fois. 4. On se crée comme ça une boucle de travail où on les répète, répète, répète en boucle pour apprendre à les mémoriser déjà dans le premier temps, puis surtout à bien faire les appuis et à les enchaîner. Voilà pour cette petite vidéo explicative des 4 premiers accords à apprendre à la guitare selon moi, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo très vite, et je vous dis, bah, comme d'hab, que la musique soit.